Yo te traigo algo pa' que baile. Donc, c'est très facile. Gauche, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Arrête, c'est 8. Et à droite, je fais la même chose. Je vais faire 1, 2 fois semblée. Je fais 6, 5 et 6. Quand le tour, pour arrêt, c'est 8. Zigzag, si je fais les coins, si vous voulez. Zigzag sur place. Et 8. Et je vais être tout près de toucher. Je vais faire un pas de ligne de l'écriture à gauche. Et un arrêt, pied gauche avant, pied arrière, pied gauche. Ici, je vais faire chasser, break devant. Chaisé vers la droite, je fais break devant. Chaisé vers la gauche, break derrière. Chaisé vers la droite, break derrière. Et la boîte à gauche, donc je fais à la gauche un quart de tour touché, je fais quart de tour. La droite, touché quart de tour. La gauche et la droite. Donc je reprends mon terrain. Deux marches avant. Cette partie, je fais deux mur. Je fais un, deux, trois et quatre. Donc je fais break, coin avant et mur arrière. La même séquence. Sauf qu'il n'y a pas d'angle de tour ici. Alors, je fais break avant, arrière. Deux jazz box, donc du pied gauche, deux fois. Puis, je vais l'assembler pour faire double chassé à gauche. Je vais faire 1 et 2 et 3, tap. 5 et 6 et 7, tap, tap. Et ça complète la routine. Donc, la première partie, comme je l'ai fait tantôt sur la vidéo, avec la partie des zigzags, c'est la finale musicale. Je l'ai fait complet. Et oui, vous allez pouvoir le voir sur la vidéo, c'est très simple. Et je fais zigzag final. That's it, that's all. Merci. Maintenant, ça me joue bien.